Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour la mission 2 de la campagne Flamme du Foyer, la route côtière. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors qu'elles remontaient le long de la côte, nos troupes traversèrent des villages abandonnés. La précarité des conditions de travail dans cette région déshéritée avait poussé les paysans à l'exil. Le capitaine leur venait en aide à chaque fois qu'il le pouvait, mais un village en particulier nous confrontera à un défi singulier dans un long défilé. Alors, objectif de population 40, 75% de bénis et 100% de buveurs de bière. Ce village est harcelé par les loups des côtes, de la côte venue des colonies. Pour ramener la prospérité dans la zone, vous devrez d'abord vous occuper de ces prédateurs. Les loups n'abandonneront pas, leur hurlement semble s'intensifier, ne baissez pas votre garde. La production de fer est assez faible dans cette zone. Bâtissez une grande production de lances et utilisez-les. Vous ne manquez pas de temps, mais attention aux meutes qui grandissent quand elles sentent le sang. La disposition du village, et en particulier des réserves, sera cruciale. Ok. On a des spadassins là, d'accord. Le dépôt d'armes est plein, monseigneur. Hop, je vais faire du bois en route tout de suite. 1, 2, 3, 4. Nous sommes prêts. Ça vient de là. Ok, ça vient de par là. En vrai, je vais faire des spadassins en renfort. Hein. Monseigneur! Nous sommes à vos ordres, sire. Je vis pour vous servir. Pour la bravoure. Les loups attaquent, monseigneur. Finlam, à l'attaque. Pour la gloire. Empalez-les tous. Les gens quittent le château. Bon, là, c'est pas une mission qu'on avec le temps. Ok. Donc là, j'ai positionné mes spadassins ici. On verra ce que ça donne. Le peuple a des doutes sur les vous, réserves sire. De notre. J'ai commencé à lever de l'argent. Du trésor, sire. Et je les loups rôdent. Les gens viennent au château. Et je vais préparer une masure. Alors on a de la pierre, j'ai vu. Ouais, là, ok. Je vais mettre. Il faudrait que je trouve un coin pour mettre toutes mes masures. Hein. Voilà, par ici. Nous vous saluons. Les gens quittent le château. Comment ça, les gens quittent le château? Le peuple a des doutes sur réserves d'or. Augmente le progressivement. A des doutes sur nos réserves d'or. Augmente progressivement, sire. Le peuple a des doutes sur vous, sire. Les réserves de notre. Bon, bah vas-y, on va mettre en double ration. Le peuple vous apprécie, sire. Bon, ça va, c'est des petites meutes pour l'instant, c'est gérable. Nous sommes prêts. Ils vont manger de l'acier. En avant, marche. Monseigneur. Alors, on rappelle l'objectif, 42 populations. Alors, j'ai rajouté un peu plus de bois. Il nous reste encore 5. Les loups rôdent. Nous sommes à vos ordres. Je vis pour vous servir. Et là, toi. Quels sont vos ordres? C'est vraiment trop facile. Les loups attaquent, monseigneur. Bois nécessaire. Dès que l'armurerie, on pourra la mettre en place. On la mettra dans un coin pour pas être embêté. Je pense qu'en vrai, avec les spadassins et tout, il y a de quoi faire. Hein. Nous vous saluons. Nous sommes prêts. On a pas mal de bois, donc on va tout de suite préparer la caserne. Ah, déjà l'armurerie, je vais la mettre ici. La caserne, je vais la mettre. Nous sommes prêts. Comme ça, on ramène deux spadassins en renfort là-bas. Ces armures sont lourdes.
Vous pouvez compter sur nous. Nous perdons un peu d'argent, monseigneur. Le peuple vous adore, sire. Faut faire du fer, là, mais... Ouais. Tu sais quoi, on va lancer une carrière ou deux, dès que possible, dès que les serres sont dégagées. Ah ! Nous sommes à vos ordres, sire ! Les loups rôdent ! Vous pouvez compter sur voilà, nous. Comme ça, on aura 10 lanciers de près. Les après, ils m'ont niqué un spadassin, les enculés. Vous pouvez compter sur nous. On peut pas mettre deux murs, je suppose, non. Ce serait trop facile. On est déjà à 16 de pop. Bon, on va lancer la carrière tout de suite. Même les carrières. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cette... Les loups rôdent. Où allons-nous? Et je pense qu'on va démarrer. Les loups rôdent. Une ou deux pommeries après. Ou alors on démarre du camp de chasse là. Les loups rôdent. 1, 2, 3. Comme ça derrière, je rajoute une autre masure ici. Ensuite, je voulais partir sur quoi? Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Or nécessaire. Je pourrais mettre une petite chapelle là. J'ai préparé 3 fermes à houblon. Toujours prêt! Les loups rôdent. Recrues nécessaires, sire. Les loups attaquent, monseigneur. Quels sont vos ordres? Nous vous saluons. Pour la bravoure! Ça, on met un petit défilé. La population va vite l'atteindre, hein, mais bon. Les loups rôdent. Peut-être rajouter un quatrième camp de chasse là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous ce que nous devons faire. Les loups rôdent. Voilà, 3 brasseries, comme ça on prépare l'avenir. Et on va commencer à faire une petite chapelle pour démarrer. Là, je vais mettre la taverne. Si j'ai la place, logiquement. Ouais, j'aurai la place. Pas assez d'édifice, travail, pas de main d'œuvre, seigneur. Les loups rôdent. Nos réserves d'or augmentent progressivement. Le peuple vous tient en haute estime, sire. Ah ! Les loups rôdent. Où allons-nous ? Toujours prêts, sans difficulté. Ok. Pas assez d'or, monseigneur. Nous avons besoin. Dès qu'on aura l'or, là, ce sera bon. Parfait. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Les loups rôdent.
En vrai, on va continuer de faire de la production là. Les loups rôdent. Hop là. Les 42 populations, ça va être bon. J'attends de doubler la production de bière et ça devrait être suffisant, je pense. Je mettrai peut-être une chapelle dans les collines si je peux. Nécessaire. Ouais, je pourrais. Les loups rôdent. Vous pouvez compter sur nous. Nécessaire, sire. Recrue nécessaire, dites-nous ce que nous devons faire. Les loups rôdent. Et ils enchaînent vague sur vague, les sacs. Hein. Ah, ce sera du un peu difficile. Vous pouvez compter sur nous. Travail, l'interfice est en état de fonction. Alors, je regarde ce qu'ils disent. Donc, on a 6 trucs de bière, c'est pas mal. La population, c'est pas mal. Alors, ça dira quoi pour... Ok, il nous faudra une deuxième auberge, très bien. Je vais tout de suite la préparer. Les loups rôdent. Est-ce qu'on peut revendre un petit peu de pierre dans le coin? Les loups attaquent, monseigneur. Où allons-nous? Ah ouais, ils enchaînent vague toujours sur vague, prêt. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez compter sur nous. Nécessaire, sire. Les loups rôdent. Dites-nous ce que nous devons faire. Ce sera un peu difficile. Les loups rôdent. Vous pouvez compter sur nous. Pas de problème. Mettre une troisième chapelle ici pour baigner dans les collines. Voilà, et on peut pas bâtir d'économie, ok. Vous pouvez compter sur nous. Les loups rôdent. Oh, Seigneur, il faut se battre un minimum, mon ami. Les loups attaquent, monseigneur. Où allons-nous? Les loups rôdent. Toujours prêts. Les loups rôdent. Ah ouais, oui, monseigneur. C'est un non-stop, je comprends mieux. Dites-nous ce que nous devons faire. Un message de votre scribe. Pas assez d'or, monseigneur. Je vais rajouter une chapelle là. Hop, parfait. Là, je peux pas mieux. Hein. Les loups rôdent. Allez, il ne manque plus que 3%. Oui, gagne. Victoire. Bon, bah ça c'est fait. Hein. Cette mission 2, en fait, ce qui est chiant dans ce scénario, c'est contenir les vagues de loups, mais en vrai, avec l'équipement qu'on a, il y a de quoi faire. On a réussi, donc population, chapelle, bien placée. Et voilà. J'espère que cette mission 2 de la campagne Flamme au foyer vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.